Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Edouard Laventure, Ernest Moloscott. Aujourd'hui, c'est bien le 2 janvier 2020. Alors, son plaisir que nous avec tous les téléspectateurs et auditeurs qui ont suivi nous, nous sommes le deuxième jour de l'année 2020. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan González, assisté par notre collaborateur Abner Jelin Diabnedji. Et non pas, c'est Edouard Laventure Ernest Moloscott pour les grands dossiers de l'actualité. En pile information abdominée actualité, n'a tombé directement en Australie. Côté que dans le moment n'a pas lié là, mon a couru à gauche à droite. Yo par contre, côté que pour yo faire du feu dans la rue, eh bien poussière, côté que moun yo a gardé, eh bien côté où il y a tout noir. Moun nan Australie yo paniqué. Yo commencé poser tête question, y a même dit que est-ce que c'est la fin du monde. Gayen qui pas gen côté que pour rete. Gayen des touristes qui yo même qui dans zone là, eh bien de l'eau vin chaud. C'est comme si que son du feu. Et dans point ça, moun yo obligé courir les saisons là. Même autorité dans Australie yo dit que yo pas contre ça au fait que a payé dans commencement année 2020, eh bien son panique totale. Dans moment actuel que n'a parlé là, les n'a parlé de l'eau chaud, eh bien l'a gardé du feu cap sorti sur toute cette zone là mais avec vent. Eh bien moun yo dit que ça yo pas jamais ça. Dans moment actuel que n'a parlé là à auditeurs et téléspectateurs cap studio, eh bien l'armée dans Australie yo obligé prend un bateau de guerre pour yo capable voyer sous zone là pour yo ouais se drap sauver des vies. Et dans point n'a parlé là c'est que moun nan Australie yo obligé kounya là bateau de guerre ça qui gagne en pile policier australien là-dedans yo, eh bien bateau de guerre ça li obligé à prend au moins 500 moun courir mettre dans bateau de guerre là pour déplacer avec eux pour les saisons là. Dans les 48 heures de temps qu'a passé à là, yo ba yon ultimatum. Gen des zones là en Australie, si que moun yo pa courir les sel, eh bien autorité ont déclaré que yo ka en danger. Côté que yo capable même gen temps pour capable déplacer dans Sydney, dans Disney, son situation qui grave et n'a demandé à moun des parents qui gagnent petit yo sous zone Australie qui connaît que moment qu'on y a li dur n'a dit yo prend des précautions bay ti moun yo appel di yo pour les saisons là parce que Australie gen plusieurs autres zones là côté que gon tant qu'on tempête on vent et puis du feu à bay et bien gen des routes qui coupées et bien son tension qui grave et côté que tout moun sa yo levé campé y a prié et gen dou yo pas même connaît que si y a gete pour les saisons côté que yo hier. Gen des habitants qui gen kayou commencé brûler, gen qui ont même cap marcher qui sans espoir et gen tout si c'est pas la police qui ont même de côté payo qui te prend bateau de guerre ça vin avec pour essayer courir à l'arrêt parce que plus gros problème que a fait là c'est que monter bateau deuxièmement libre 20 heures de temps pour capable laisser zone côté il y a pour capable évacuer l'autre côté. C'est pour nous dire à auditeurs, dans le moment où on a parlé à la son pression qui existe en Australie, nous demander à des parents pour prendre des précautions parce que yo dit que ça, ben on signe, c'est un coup, c'est la fin du monde. 2020 là, pour ton paquet de panique en Australie, et nous promettre à auditeurs, yo n'a pas gagné pour nous venir avec plus d'informations pour eux-mêmes capables de suivre les grands dossiers de l'actualité. N'a pas tombé en France, de côté la France, depuis dans les années 86, c'est une froid que peuple français a arrivé dans un moment de panique. Côté que, il y a un pile monde qui connaît la grève qui fait, côté que, il a dit, ça a été presque un mois là, et bien que moun yo campé, il a dit, yo pa fon pa kita on panago. Le président français, M. Emmanuel Macron, il fait le nécessaire pour l'OE, si vous êtes capable de joindre une solution à grève que vous avez mis là, qui gagne
près de un mois là en plus, eh bien, d'après le président, il fait toute tentation pour que nous levions la grève là. Nous dit non, il n'y a pas levé grève là. D'après le président français, il dit qu'il va employer une autre stratégie pour voir si on est capable de camper sous affaire grève ça. N'a pas profité de rappeler à auditeurs son panique totale qui existe en France. Et autorité dit, image qui a vivre là, là, n'est pas fin bon. Et au même, il va continuer pour voir si a mettre grand monde sur yo parce que il n'a pas accepté des autres ça fait en France. Il y a l'autre pays qui n'a panique totale et capitale dans le moment où on a parlé, n'a pas signalé que c'est Iran. Autorité iranienne dit, il n'y a pas aucun respect à États-Unis d'Amérique, spécialement le président américain, M. Donald Trump. Il dit que Donald Trump a bail ultimatum ni, mais Donald Trump pas connaît que lui-même, il n'a pas arrêté à Donald Trump. Il dit que Donald Trump sont petits que liés. D'après autorité iranienne, il dit qui ça au monde qui a passé de Donald Trump. Donald Trump c'est pas la parole en pile. Autorité iranienne dit n'importe le, il a gagné attention pour lancer missile, il a pas gagné pour après parler à Donald Trump comme d'habitude qu'on fait le respect pour Donald Trump, il dit pas gagné bagaille ça. Et je dis à nous décider pour nous continuer pour un grand monde nous et pour nous montrer Donald Trump que lui-même n'est pas en rien en Amérique latine. Gagné en pile monde en Europe qui déclarait que le président américain M. Donald Trump monsieur comme c'est baissé parce que il pas respecté parole président l'elle parlait c'est comme si que sans valeur et président Donald Trump t'a obligé bon l'autre stratégie parce que Jean qu'on fait a et bien monsieur vinn kon tempérament il pas gardé le point rien mais le président Donald Trump dit que la prale réaction pour le faire l'elle t'a gardé que il t'arrivé non pour pas respecter le il l'a frappé pied et fonction que le pral mené hein, l'a très grave et l'a très très dur. D'après le président américain M. Donald Trump, il dit que moun ki pa respecte M. Kounio pa konnen. Même des surprises pour yo. Président pays russe là M. Vladimir Poutine, li annoncé que lui-même li pral bataille et bataille li a très clair. Côté que li gade gon manque de respect du côté président américain hein, mais lui-même il ne peut pas accepter que aucun monde dans le peuple IA t'a de respecter. D'après président russe, M. Vladimir Poutine, il dit que moi, grand monde, là, quand même, et j'ai importance, et je connais le peuple respecter. Je m'appelle arranger pour le peuple toujours respecter, et la bataille qu'a fait là, c'est pour un changement. D'après président russe, là, M. Vladimir Poutine, il dit que apprendre de côté président américain, M. Donald Trump, Donald Trump t'a décidé pour l'arranger, pour le faire arrogance, d'après le président russe Vladimir Poutine. Il ne dit pas qu'il y a arrogance que le président américain est capable de faire. Parce que Donald Trump, pour lui-même, presque pas crampé sur rien. Mais d'après le président américain Donald Trump, il dit que c'est stratégie pas l'a joué. Parce que l'a bien pour le frapper, eh bien, pas grand rien que l'autorité est capable de cramper. D'après le président américain M. Donald Trump, il dit que le reconnaître la valeur de président russe Vladimir Poutine, mais le pape jamais agenouillé devant président Vladimir Poutine. Vladimir Poutine annonçait que lui-même tout de côté pâle, il prend le travail pour que l'autre petit pays collabore avec elle. Et il dit que il connaît que bon fierté de côté peuple l'autre pays qui apprécie elle, mais il pas prêt à arrêter non point pour la essayer et parler avec d'autres pays que le connaît pas intéressé. Président Donald Trump dit que, eh bien, il voulait que l'autre pays respecte le, mais pour respecte le, eh bien, il dit n'importe l'autre monde dans l'autre pays qui t'a imposé une loi que le président américain prend, eh bien, d'après président Donald Trump, la pouvait reprendre la question le fréquent. Mais il dit que le président Bachar el-Assad de la Syrie, il a annoncé que il prend le campé. Il prend le camp en face les États-Unis parce que le président américain trop en grand et trop fréquent. D'après le président syrien Bachar el-Assad, il dit que nous ne prenons pas le conseil dans le président américain parce que nous avons salvé, nous avons intention, monsieur. Mais à fait, nous prenons accepter parler avec là, nous ne prenons pas arrêter mon petit monde qui t'a arrêté avec Donald Trump, mais de préférence,
pour nous capables de suivre Donald Trump, l'elle font erreur pour nous capables de faire ça. Pendant ce temps, président Kim Jong-un Pyongyang 2 dit que il pas besoin d'amitié président américain Donald Trump. Il dit que il y a assez pour me contrôler Donald Trump. Donald Trump a pensé, l'a parlé, l'a montré que il a contrôle, il pas qu'a contrôle de moi-même. Moi-même m'a dit à peuple américain, hein, préparez-nous parce que Donald Trump lui-même à savoir l'a parlé de façon que eux-mêmes y aurait que Donald Trump. D'après le président Kim Jong-un Pyongyang 2, il dit à peuple américain pas occuper Donald Trump parce que Donald Trump c'est un président cap flatté presque chaque jour. D'après le président Kim Jong-un Pyongyang 2, il a fait le nécessaire et il a pas montré Donald Trump qui ça que le peser. Le président américain M. Donald Trump lui-même il lui croit dans tête lui et il lui croit dans travail lui. Et les opposés président Donald Trump question qui sont pensés de réaction président Kim Jong-un Pyongyang de qui dit li pap campé un jour et l'elle gain la planter missile toute l'heure. Et puis le président Donald Trump répond ah non ou qu'on est moi habitué avec Kim Jong-un. Kim Jong-un pas gain ami. Kim Jong-un dit que les affaires de Donald Trump d'aller ça pour rien. Ça veut que le président Donald Trump perdu presque majorité respect devant l'autre pays que l'État obligé de respect. Mais information que n'apprenne, c'est que Yoon n'a pas trop que considéré pour les États-Unis d'Amérique que autorité américaine est créative. C'est président russe là, M. Vladimir Poutine. Par tous les moyens, les États-Unis préparent pour que l'obéit devant président russe là, Vladimir Poutine. Il y a plusieurs autres pays là qui ont même qui décidé de faire une intervention. T'as qu'il y a un pays qui t'a montré que le un peu de respect à États-Unis, qui levait respect ça, c'est président vénézuélien, M. Nicolas Maduro. Il dit que je n'ai aucun respect à l'égard de Donald Trump. Donald Trump pour moi pas en rien et monsieur pas un élément qui a dirigé tout. Moi-même, peuple dans le pays Venezuela, moi dois au respect et m'a continué kebeyo et gen bagay m'a pas accepté fait et tout profiter di yo là pas fatigué yo président yo avec yo à savoir le président Nicolas Maduro il dit que n'a bataille et pas grand rien cap fait nous virer zépol nous pour nous descendre tête nous devant les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que des pays que États-Unis ont respect à l'égard de eux-mêmes pays ça au campé tête droite pour yo dit yo pas prendre l'ordre non mais les États-Unis d'Amérique et il y a une déception tout yo te qu'on prend yo pas prendre yo pas accepter pour tendre président américain Donald Trump l'a parlé. Ça montrait que le président Donald Trump vraiment perd du respect dans un pile pays dans le monde là. Nous espérons que le président américain Donald Trump qu'a travaille pour que le reprenne respect. Mais dans le moment actuel que n'a parlé à la le respect du président américain M. Donald Trump il descend en pile devant toute la majorité pays qui dans Moyen-Orient dans zone Europe là côté que dans plusieurs côtés il a pas gardé les États-Unis pour rien. En pile mon a posé question c'est qui le que le président américain M. Donald Trump après le reprenne respect dans la société là, parce que officiellement le président américain M. Donald Trump il a perdu respect devant un pile l'autre petit pays. Moment arrivé pour que le président américain, M. Donald Trump, t'a reprenne respect pour que le monde capable de garder un autre gens. Mais, n'a pas dit que y a des pays, t'as coup Iran, Irak, la Pologne et autres, ils n'ont pas gardé les États-Unis pour rien. Alors, si société arrivée, non point, yo te gardé les États-Unis comme grande puissance. Dans l'entrée 2021, le président américain, M. Donald Trump, l'y perdu en pile proie. Pendant ce temps, nous connaissons que Mme Pelosi a travaillé sur un pitch président et le président vient sentir que son déception pour lui, pour voir que le te gagnant, l'y complètement diminué. Nous sur HPM.
et chaîne Public Media. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan González, assisté par notre collaborateur Abner Jelin Diabnadji. Non, Pam, c'est Edro à l'aventure Ernest Moloscott. Nous demandons, prier pour les États-Unis d'Amérique, parce que c'est un pays qui en bouleverse, côté que la Chine, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Iran, l'Irak, la Russie, la Pologne, Afghanistan, Pakistan, le Venezuela, Chili, la France, des pays qui sans respect pour les États-Unis d'Amérique, à cause d'un président qui aurait le président Donald Trump, qui a dit qu'a passé en bas pied l'autorité des États-Unis d'Amérique et la puissance des États-Unis d'Amérique. Et maintenant, la majorité pays yo appuyé yo sur la Russie et qui a dit y a marché avec le président russe, M. Vladimir Poutine, qui est considéré comme leader qui conséquent, qui est capable de suivre conseil. Mondelan, il est vraiment bouleversé. Donc sur HPM et chaîne Public Media, restez branchés, nous pourrons tomber en Haïti, nous avons gagné pour nous porter plus d'informations pour nous. Jeudi, c'est 2 janvier 2020. Merci. Et à plus tard.